Il était une fois, dans une petite ville nommée Rockford, l'histoire d'un petit bonhomme qui avait un grand cœur. Certes, il était un peu différent des autres, mais malgré cela, il était aimé de tous. Je vais donc vous conter l'histoire de Nino Pellegrino. Tous les matins, il avait pour habitude d'aller à l'hôpital pour proposer ses services aux citoyens malades. Il allait ensuite rejoindre quelques amis pour pratiquer son activité favorite, la pêche. Puis, il partait retrouver d'autres amis qui lui apprenaient le métier de bûcheron. Il passait aussi à la banque pour retirer un peu d'argent, pour faire quelques petits achats dans la journée. Et pour finir, il retournait dans la forêt, pour aller jouer avec ses amis les animaux, qui, vous l'aurez remarqué, l'aimaient aussi beaucoup. Attends, mais t'es qui toi pour raconter mon histoire? Avec ta tête de claquette là! Wow! Attends, c'est mon mais travail! Non, mais je veux pas le savoir! Non! C'est... Allez, retourne en Bolivie ramasser des cailloux! Bon, ok, je me casse. Bon, alors, on en était où déjà? Ah oui! Alors, il était une fois dans la ville de Misklick, mon histoire! Comme j'ai pas de maison, tous les matins, je me réveille dans mon hôtel. Et je trouve qu'il y a des gens bizarres avec moi. Ils ont toujours besoin qu'on les aide. Mais c'est des enfants ou quoi? Après, je vais rejoindre mes amis pour aller pêcher. Et attention, j'ai une technique secrète pour pêcher. Mais je comprends pas. Tout le monde s'en va dès que j'arrive. De toute façon, je suis sûr qu'ils sont tous jaloux. Ça peut être que ça. Dès que j'ai fini, je vais couper quelques arbres dans la forêt. Bon, c'est vrai que les bûcherons m'ont dit de pas couper les arbres si je suis pas avec eux, parce que c'est dangereux, mais je peux très bien m'en sortir tout seul. Des fois, je passe à la banque pour emprunter un peu d'argent. Et oui, la vie est dure qu'on n'en a pas, et j'essaie de rester discret pour que personne ne m'en demande. Et pour le reste de la journée, je retourne dans la forêt. Et oui, pour rejoindre mes amis animaux, ils m'aiment beaucoup. Et du coup, on joue ensemble et on s'amuse. Du coup, on joue et on court, tu vois. Et c'est moi qui cours derrière tout le monde parce que j'aime ça. On provoque jamais aucun problème en tout cas. Des fois, on croise même des gens qui jouent à un jeu aussi. Du coup, j'ai envie de jouer, mais non, mais je me rappelle que je joue déjà, alors je repars tout de suite. Et on joue longtemps. Longtemps. Vraiment longtemps, quand même. Et au moment où je vais gagner, parce que c'est moi le plus fort... Mais je me rends compte que je suis quand même allé très loin de ma maison, hein, et qu'il faut peut-être que je rentre, hein. Bon, allez, salut. Une nouvelle journée commence, et il faut croire que le destin avait décidé de me faire une surprise aujourd'hui. Mais vas-y gros, quoi, faut qu'on aille au bar récupérer les printers, il y a Désiré qui nous a demandé, là. Ouais, ok, je vais faire 2-3 petites courses et on se rejoint après. Vas-y, grouille-toi. Hein. Mais j'ai bien entendu. Ils ont dit printer. Oh, je pense que je vais faire un petit détour avant d'y aller, hein. Hey, mais il court vraiment vite, Kirikou, hein. Ah, mais je crois qu'on va avoir un petit imprévu. Des mecs de test, je peux vous assurer qu'ils vendent pas que des cannes à pêche. D'ailleurs, je vais leur voler leur petite Mercedes. Oh non, ils sont armés, il faut que je me dépêche.
C'est des policiers. Je vous jure, monsieur, que j'ai pas du tout fait exprès. Oh mon Dieu, je crois que je vais bientôt me faire taser. Je crois qu'à ce moment-là, c'est mieux de continuer à pied. Je comprends pas pourquoi tout le monde veut essayer de me frapper. De toute façon, j'arrive toujours à m'échapper. Qui sont cons, ces policiers? Comme d'habitude, tu es encore... Eh oh, Mino, on n'est pas dans un karaoké ici, donc soit tu commences, soit tu te casses, ok? Oui, ok, bon, et je vais prendre une pizza. Bon, mais je crois qu'il est temps pour moi de faire un petit jobijob, ou plus communément appelé taxi basket. Salut. Ah mais il est con celui-là, il a même pas récupéré sa pizza. Aujourd'hui on va aller braquer la banque, comme vous pouvez le voir j'ai pris une petite Ferrari des familles et on va aller braquer cette petite banque. Par contre faites attention, il y a énormément de flics en ville aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais oui, désolé de vous déranger, je suis vraiment pressé, j'ai des petits problèmes, ça vous dérangerait pas de me déposer s'il vous plaît? Ah parce qu'en fait t'as cru qu'on était ton taxi. Bon mais c'est bon, mais c'est parce que vous êtes les premiers que je croise, je suis vraiment pressé s'il vous plaît. Bah écoute, soit t'en achètes une, soit t'en voles une. Non mais c'est pas possible ça les gars, je vous bon, jure, moi j'en peux plus des mecs comme ça. En plus, hein. Comment ça? Ouah, reviens. Ouais monsieur, s'il vous plaît, aidez-moi, je suis bloqué, s'il vous plaît. Oui, je peux vous aider? Ben en fait, si vous voulez, j'ai ma voiture, elle est embourbée dans le sable, j'arrive pas à bouger. Vous pouvez pas, je sais pas, me la tracter, me la pousser ou autre, hein. Bon, vous inquiétez pas, je vais vous aider. Reculez un petit peu, que je puisse vous filer un petit coup de main. Attendez, je vais attacher une corde à la voiture, bougez pas. Mais vous êtes malade! T'es pas bien, putain, ma voiture, reviens ici, wesh! Oh, hey, mais... Tu veux que j'appelle les... Venez vous aider, moi, désolé, allez, salut. Je vais appeler les flics, reviens ici, putain! Hey, barman, dis-moi. Oui. T'aurais pas vu quelqu'un? Je suis avec quelqu'un, il est venu au bar directement, je le suis depuis tout à l'heure, y'a pas quelqu'un qui est venu avant moi? Si, la seule personne qui est venue avant vous, c'est cette personne qui est assise là. Bonjour, mon nom est Stéphane. Je vais vous montrer une technique pour gagner près de 10 000 euros par seconde sans bouger de chez vous. Bon, qu'est-ce que je vais dire? Je me souviens plus... Ah oui, je suis avec quelqu'un en fait, c'est un Congolais, avec un chapeau! Il a dit qu'il venait au bar, il allait rejoindre un pote Congolais aussi! Oui! Tu les as pas vus? Les deux personnes qui sont au fond? Je crois que je vais m'échapper. Réveille-toi le petit Cactus. Réveille-toi. Alors comme ça tu nous cherchais? Ah ouais gros, c'est lui avec le van rouge à l'hôpital, il a dû nous suivre quand on est parti après. Non mais je vous suivais pas, enfin j'en ai suivi qu'un seul, pas tout le monde quoi. Bah ouais mais mon petit Cactus, tu les as trouvés maintenant hein? Eh ouais gros. Non, où est-ce que je suis là? Mais non, mais ça va pas du tout là. Il faut que je trouve une idée. Eh regarde, petit Cactus, il est en train de nous regarder là. Ah ouais, t'as vu Miskin, il a l'air affamé. Hein. Qu'est-ce qui se passe ici? On a ramené quelqu'un qui suivait nos hommes. Hein. On l'a mis en cage ici, patte noire. Il est en cage? Il est juste ici. Ok, ne parlez pas alors, ne parlez pas devant lui, bande d'abrutis, venez dans mon bureau. Désolé, patte noire. Patte noire? Oh, on dirait un nom de Pokémon. Bon, en tout cas, ça a l'air d'être un Pokémon vachement méchant. Hein. Oh, il faut vraiment que je m'échappe. Oh, réfléchis. Toi, tu viens avec moi.
Wow, tu fais quoi là, frère? T'as cru que c'était l'entrepôt à ton daron ou quoi? Non, mais il m'a demandé d'en acheter à manger, le monsieur. Il est malade, hein? Hey, toi, tu viens avec moi. Pac-Man, je t'ai ramené le prisonnier. Ah, alors comme ça, c'est toi le petit curieux qui suit mes gars? Oh, mais qu'est-ce qui passe? Eh, mais c'est trop cool, votre patron, c'est une chaise. Rigole, rigole. Comme le boss, il est pas là, c'est moi qui vais m'occuper de ton cas. Eh mais il est trop mignon! Eh mais c'est toi le boss! Eh, tu sais quoi? Attends, j'ai une blague pour toi, hein? Eh, l'avantage, c'est que si tu fais tomber tes clés, ben t'as pas besoin de te baisser pour les ramasser! T'as juste à tendre le bras! Dors bien, petit cactus! Ah, désolé, Mino, même si j'ai bien aimé ta blague, là t'as merdé, les ordres c'est les ordres. Ouais, gros, t'es sérieux, là? Oh, ça va, gros, lâche-moi. Bon, allez, vas-y, viens, on finit le travail. Non, mais attendez, s'il vous plaît! Ouais, gros, c'était quoi, ça? Je sais pas, gros, je crois qu'on se fait attaquer. Eh, il faut qu'il y en ait un qui le surveille, lui, aussi. Je vais vous aider. Mais t'es complètement teubé! Mais attends, mais j'ai pas fait exprès, mais moi je voulais vous aider à la base! Putain, mais regarde ce que t'as fait, regarde ce qu'est devenu notre mini-mice là! C'est quoi, t'as pas fait exprès, moi je vais faire exprès de te mettre mal entre les deux yeux! Oh, ok, mais avant une chose, il faut que je vous dise quand même quelque chose d'important! Non, tais-toi! Mais je vous jure qu'il y a un truc vraiment important! Ferme-la, on t'a dit! Mais attendez, mais il y a vraiment un truc important que je dois vous... Bon, ok, eh bien tant pis, je ne vous dirai pas que le GIGN est actuellement derrière vous en train de vous pointer avec des armes et sur le point de vous mettre la misère. Moi, pendant ce temps-là, je vais reprendre l'argent des printers. Allez, salut! Eh bien, bonjour messieurs. Bon, bah désolé, on voulait pas couper votre conversation, c'était tellement mignon, hein, n'est-ce pas les gars? Alors du coup, le problème qu'on a, c'est que du coup, on a beaucoup d'hommes abattus, on va devoir s'occuper de vous, n'est-ce pas? Donc je vais laisser le libre choix à mes hommes ici présents, hein. Je vais rentrer moi directement au hangar, vous avez le choix, donc vous allez me les ramener vivants ou morts, je ne sais pas, je suis parti, je ne suis plus là. Messieurs, mes respects. Personne ne touche au gang Los Blacos de Patrick Désiré Cohen. Si t'as aimé la vidéo, alors laisse un petit like et vas-y abonne-toi. Si t'as pas aimé la vidéo, alors retourne-toi que je te mette un petit doigt. Et n'oublie pas, si tu veux passer me faire un petit coucou, viens me voir sur mon Twitter. Ou alors, viens me voir quand je suis en live sur Twitch. Allez, salut!